Everybody wanna claim the big name. When the beef is up, they never grip. Man, daddy, I never drip. Court cases for the fool and not to miss. Bébé. Bien que je te serve mon bébé. C'est à toi. Non mais tu sais, jamais plus, nous serons dans un birka. Dans la misère. Dans la misère, c'est fini. Notre vie. Non. C'est fini. Mon petit champagne. On a réussi. Hein. Chérie. Mine de rien. On a quand même réussi. Maman passe en droïde. C'est comment? Bébé. On a réussi. Top et Cindy. Makasi. Top et Cindy. Tout ça. T'as vu la maison? Oh là là. T'as vu la maison? En peu de temps. Je suis fière de toi. Non. Pavillon, il y a pavillon. Maintenant, on va dire quoi? Oh non, dans l'église, il n'y a pas d'argent. Il y a l'argent. Mais n'empêche, avant, je te croyais pas. Quand tu m'as sorti cette idée, je me disais, mais il me dit quoi? Tu me parles d'église et tout ça. Ouais, faire confiance. Femme de foi. Mais heureusement que tu as eu la foi. J'ai eu la foi. Hein, tu as saisi. Oh là 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 là. Maintenant, on a réussi. C'est cadeau, tout ça. C'est cadeau. En plus, l'église, là, maintenant, c'est fini pour. Tu sais que j'ai changé les papiers. Ah ouais. J'ai changé les papiers. Donc, dehors. Fallait le faire parce que eux, là. Dehors, je te dis, maintenant, c'est à nous. Les papiers sont à nous, donc l'église, ça c'est à nous. Il n'y a personne qui peut venir pour dire que non, ceci, cela. Mais chérie, tu sais que c'est la vie que je rêvais. J'ai toujours rêvé d'avoir ce luxe-là, depuis que j'étais toute petite. Je me disais, ça allait arriver comment? Je dois aller charbonner, travailler. C'est fini ça. C'est comme ça, sur un plateau, cadeau. Oh chérie, je sais pas quoi te donner. Toi, t'es toujours comme ça. Non, ça mon abattu, il faut arrêter. Mon abattu, mais elle est bien insolente celle-là. Perso, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est une grande fille, hein. Elle est majeure, vaccinée, et c'est ce qu'elle va faire. Tu sais, moi, dès le début, je sais pas si t'avais remarqué, hein, vraiment, dès qu'elle est entrée, je sentais un truc. Moi, ça n'allait pas. Moi, tu sais, ça marche au feeling. C'est si ça passe, t'es quelqu'un de bien, ça passe pas. Moi, je suis sûre, elle va très bien. Elle se fait désirer. Oui, elle m'aime pas, donc je vais partir pour un petit moment. Mais ciao! Ah non mais c'est bon, au bout d'un moment, elle a une famille, s'il y a un problème, on va prévenir sa famille. On est une famille. Hein? Toi, t'es sa famille? Non, t'es sa patronne, c'est pas pareil. Maintenant, elle fait son choix, elle a qu'à partir. Non mais déjà, tu t'inquiètes, on dit c'est toi qui vas gagner son assurance vie si elle meurt. Elle a qu'à rester. Mais ma chérie, c'est pas pour ça que je la recherche. Ma soeur, moi, je passe ma vie pour chercher de l'argent. Je la cherche parce qu'elle me doit. Si elle doit partir, il faut qu'elle parte tranquillement, mais mon argent. Non, elle t'a pas ses recettes. Il reste encore un peu. Moi, je suis sûre que c'est à cause de tout ça, c'est à cause de la recette qu'elle te doit. Elle est en train de manigancer. L'argent, ma soeur, elle me doit. T'as qu'à la trouver là où tu l'as eu la dernière fois. Si tu la trouves pas, on s'en fout, nous, un bon débarras. Pour une fois, t'as quand même fait quelque chose de bien. Ah, au sentir, hein. Ah. Sentir. Non, t'es un homme. Snake, toujours. Oh, le pasta. Ah, bah alors. C'est fini, mon bébé. C'est fini. Écoute-moi, moi, je veux que tu fasses attention à ta soeur quand même. Tu comprends? J'ai pas envie qu'elle aille appeler une de vos cousines, une de vos tantes, pour qu'elle commence à nous faire des problèmes. Faut que tu la gères. T'inquiète. Hein? Gère-la bien, comme ça, on peut continuer à travailler. Si elle veut même, elle peut venir faire protocole à l'église. C'est quoi le problème? Mais on peut l'engager. La fin du mois, elle reçoit les affiches de paye. Ah oui. Elle aura plus, elle aura même plus besoin de prier comme elle fait chaque fois. Faut pas
va nous fatiguer. Bébé, bébé des bébés. Ah mon bébé. Basta, ne basta. Alors. Bon, nos voisins, là, doivent sentir que nous on est présents. On est là. On est là. Même de loin, tchin tchin. Tchin tchin. La maison. Moi je comprends pas les filles comme ça dans la rue. Tu pleures comme si on pensait que ta maison a pris feu. Mais ça c'est normal, c'est ce qu'elle fait. Je sais pas, mais par contre son visage me dit quelque chose. Ma soeur, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, mais t'es pas à l'église aujourd'hui? Non, je t'ai pas à l'église, ma soeur. Mais arrête de pleurer. Attends, mais... Je n'en peux plus, ma soeur. Mais dis-moi, mais qu'est-ce qui se passe là? T'as perdu quelqu'un? Non, je n'ai pas perdu quelqu'un. Je suis à la recherche de l'emploi. Je n'ai plus de maison. À Dieu, on va m'expliquer. Mais attends, mais il y a toujours une solution. Hein. C'est pas la peine de te mettre dans ces états comme ça dans la rue. Hein? Regarde déjà, relève-toi comme ça, voilà. Et bon, on va trouver une solution. Hein? Là, tu portais où là du coup? Tu marches comme ça, mais. Bon, attends, cesse de pleurer, on va. Vanessa, tiens mon sac. Et dépêche-toi, hein. Non, ma soeur. Pour l'instant, je cherche juste du travail. Oh, un travail, ça, c'est pas un problème. Moi, je suis avec ma patronne, là, elle. D'accord? On va trouver une solution. Ton travail, tu l'auras. Tu vas bien gagner. Tu vas arrêter tous tes problèmes. C'est pas la peine de te mettre dans ces états. Viens, 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 viens. Viens. Et encore là. Oui, allô? Oui. Non, en ce moment, je suis très occupée, c'est pour ça. Oui, je comprends d'où tu es, mais voilà. Ça fait un moment, tu me demandes qu'on puisse se voir et moi, j'avais pas le temps. Vas-y, demain, on se voit. Je t'envoie mon adresse par message. C'est bon? Oui, demain. Vas-y, à demain. Hey. Non. Tu me reconnais pas. Ce visage-là, ça te dit rien? Retourne comme ça. Là. Le point de départ. Bonsoir. Bonsoir. Mais toi, je te cherche. Effectivement, je savais que tu allais passer comme ça. Moi, le Saint-Esprit me parle. C'est pas pour rien que j'ai pris ce chemin. Je te cherche, toi. Qu'est-ce qu'il y a avec le pasteur? Vous, les sœurs là de l'église, toujours dans le bureau. Toi, t'en fais partie? J'ai une liste et ton nom est dans la liste. Et tu veux quoi? Oh là là, celle-là. Par contre, hein, juste un truc. C'est vraiment pas le bon moment. C'est vraiment pas le meilleur jour. Qu'est-ce qu'il y a? Venez vous m'arrêter. Et là, comme ça, pasteur, liste, les sœurs, vous êtes qui? Ah bah oui. La fameuse femme du pasteur. C'est quoi la femme du pasteur? Je suis votre maman pasteur. Je suis votre maman pasteur. Ok? Et vous voir. Surtout toi. Vous êtes au moins au nombre de 5. Et toi, t'en fais partie. Surtout toi.
J'ai pas le temps de rigoler avec toi. Écoute-moi bien. Il faut arrêter les défilés dans le bureau du pasteur. C'est toi, c'est quoi ton cas? Moi, je peux traiter ton cas. Et c'est quoi ton problème? Maman pasteur. C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que déjà, moi, tu peux m'expliquer. Est-ce que toi, tu fais par contre un défilé des nudistes? Moi, c'est comme ça. Ah, parce que moi, je suis pas n'importe laquelle. Hein. Je crois pas que moi, je suis les mamans pasteurs là que vous voyez là. Moi, c'est maman pasteur Android 2.0. Android naturiste 2.0. aussi. Tout ce que tu veux. Ah, mais ouais? Moi, je vous surveille. Il n'y a rien qui me passe comme ça. Je vous surveille. Moi, je vous surveille. Toi, quoi? Et toi, je te dis comme ça. Doucement. Tout ce que tu as comme démon ou comme esprit, moi, je vais te délivrer. Moi, je suis la maman. Je ne veux plus me délivre. Je ne veux plus te voir dans le bureau de mon mari. Ok? Tu me comprends bien? Dans le bureau du pasteur, je ne vais plus te voir. Ok? Au nom de Jésus, vous allez arrêter. Je vais vous maudire. Maudit par une. Allez, vas-y. Dégage. C'est trop bon. Merci. Parle-moi un peu de toi. De moi? Ouais. Comment ça? Du genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? De ta vie amoureuse? Et tu vis avec qui ici? Ouf. Et un peu, je veux mieux te connaître au fait. Ça fait trop de questions à la fois. Non. Ben, tu peux répondre à la question qui te semble facile. Moi, je peux te répondre pour les travails. Parce que moi, je parle que du travail. Ma sœur, Dieu a besoin que tu investisses. Tu sais que ça fait longtemps que tu n'as pas donné ta dîme. Ma sœur, Dieu a besoin de ton investissement. Arrête. Oh. Mais tout de suite. Ma sœur. Quel investissement? Dieu a besoin que... Toi, tu travailles, tu gagnes beaucoup d'argent. Dieu a besoin que tu investisses. Arrête. Mais de quel Dieu tu parles? Oh, ma sœur. Arrête. Tu t'es foutu de ma gueule. Une fois. Deux fois, la troisième ça commence à faire un peu trop là. Ma sœur, ne parle pas comme ça. Tu parles à l'homme de Dieu. Oh, quel homme de Dieu? Toi, ma sœur. Toi, homme de Dieu. Arrête. Oh. Moi et toi, on sait très bien qu'il n'y a pas d'homme de Dieu. Oh, mais... Quand tu me parles, tu ne m'appelles pas ma sœur. Quand tu me parles d'argent, parle ok si tu veux de l'argent. Je vais te donner. Ne parle pas de Dieu. Mais, ma sœur... L'argent, on va l'avoir. Dieu, tu mets à côté. On est dans la moi, je suis... Oui, mais moi, je suis pas ta soeur. Moi et toi, on sait très bien qu'on n'est pas frère et soeur. Arrête tes conneries. Non, mais on est dans la rue. Donc, quand tu veux me parler d'argent, merveille. Si tu veux l'argent, il n'y a pas de souci. Merveille. Mais tu mets Dieu de côté. Merveille, on est dans Dieu des champs. Et alors? Des champs. Oh. Et alors? Pas comme ça, devant ça les fait, gens. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Parce que j'aime travailler, ouais, parce que j'aime bien. L'argent. C'est bien. Voilà. Après, t'es une femme forte, c'est bien. Ouais. J'aime bien travailler, comme t'as vu ma maison. Hein. Et tu travailles dans quoi? Hein? Je travaille, je fais du business. Voilà. Ah bon. Quel genre? Quel genre de business? Écoute, on n'est pas assez intime hein, pour que je t'explique toute ma vie. On a le temps. Et tu vis avec qui ici? Je t'ai dit c'est ma maison. Ah ouais. Ouais. C'est ta maison, je n'en dis qu'on pas, mais peut-être tu vis avec quelqu'un. Mes copines viennent souvent ici. Mmh. Et on fait la fête et
Après, c'est bon. Hein? Mais sinon, c'est ma maison. Ok. C'est vraiment chez moi. Et... ta vie amoureuse? Oh. J'aime pas parler de ça. Pourquoi? J'aime pas. C'est parce que ça m'intéresse pas. Mais bizarrement, j'ai trouvé quelque chose de spécial en toi. Donc j'ai la chance, moi. Si t'es chez moi, ça veut dire que t'as vraiment de la chance. Parce que personne ne m'épie ici. Et toi? Ben... tu passes ta vie à me suivre. Non, c'est pas que je passe ma vie à te suivre. Il s'est fait que... et là où je me retrouve, je te croise. Je travaille aussi. Dans quoi? Je fais le business comme toi. Et ça fait 2 ans que je ne l'ai pas fait. Là, je viens de le reprendre, le temps de me réactiver. Et comment tu fais pour vivre? J'ai mes économies et ça me permet de vivre. Il faut faire attention. Mais tu n'as pas d'attention. Regarde-moi. Moi, il n'y a pas de souci. L'argent, il y a l'argent. Et quand tu vas te calmer, qu'est-ce que tu penses? Non, mais pour rien. Ok. Donc, je suis en train de dire, moi, l'argent, je vais donner, à pas de souci. Je travaille, je gagne très bien. Le Seigneur veut que tu investisses. Arrête de parler de Seigneur. Moi, ce que je veux, c'est que tu calmes ta femme. Ça va pas. Tu sais que la dernière fois, elle m'a croisée dans la rue, elle m'a agressée, elle a fait... ouais, faut que tu la calmes, celle-là, ça va pas. Ah bon? Bien sûr. Moi, j'ai bien donné. Par contre, si... elle continue comme ça, moi je donne plus rien et je dis tout à tout le monde. Non, merveille, calme-toi. Ne t'inquiète pas. Je vais gérer ça. Je vais gérer ça et je vais gérer ça bien. T'as intérêt à gérer parce que moi et toi, sache que c'est pas fini. C'est pas fini. On a encore plein de choses à faire. Oui. D'accord. D'accord. Et l'argent et nos histoires. D'accord. Snake, Zelana, nous, comment me service de Snake, tant vous amour, cacaboui. Snake, Zelana, nous, cacaboui. Comment me service de Snake, tant vous amour, boutonnier soyez C'est qui son corps? Doucement, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Je peux vous renseigner? Vous cherchez quelqu'un? Snake est là. Snake? Oui. Pourquoi? Vous êtes une sœur de l'église? Une nouvelle? Parce que nous, ça fait pas longtemps qu'on est ici. Hein. Vous êtes sa mère? Non, non, je suis sa femme, maman pasteur. Ben, je cherche Snake. Il est là? Oh, ça dépend. Pourquoi? Vous avez besoin de prière? Parce que en vous voyant comme ça, vous m'avez l'air vraiment d'avoir des problèmes. Hein. Parce que moi et mon mari, on travaille en commun. Je vois comme si vous avez des problèmes. Excusez-moi. Non? Quel problème? Ah, vous m'avez l'air stressée.
Non, on m'avait l'air vraiment très stressée, très tendue. Je me montre que je ne suis pas une femme au foyer. Attention, je ne suis pas une femme au foyer. Ouais, ça, j'avais remarqué. Mais on dirait que vous avez des problèmes. Non, pas du tout. Parce que vous pouvez pas venir chercher Snake comme ça. Bref, c'est un pasteur quand même. Quel pasteur? Snake, c'est un pasteur? Oui, oui. Vous m'apprenez? Vous savez pas? Bah non. Et pourquoi vous êtes là? Dites-moi. On se connaît très bien, Snake et moi, on se connaît très bien. Vous avez jamais parlé de moi? Mais moi, je vois, je reste persuadée que vous avez des problèmes. Parce que Snake, il peut pas. Moi, vous êtes mon pasteur aussi. Oui. Et Dieu déjà est en train de me montrer que vous avez des problèmes. Pas avec moi, hein. Oh, c'est genre de. Dieu me montre. Mais tu montres quoi? Reculez, reculez. Il t'est reculé d'abord là-bas. Fois, mon Dieu me montre. Dieu me montre déjà que. Oh mon Dieu. Dieu commence à me montrer. Ma soeur, Dieu commence à me montrer. Vous avez des problèmes. Vous avez des sérieux problèmes. Oh, Jesus. Vous avez des sérieux problèmes là. Vous avez... Les cheveux là que vous avez mis là. Vous savez ce que c'est les cheveux de mort. Attention. Oh, sur la tête là, c'est quoi? Jésus, j'aime quand vous montrez des choses. Quand vous montrez des choses. Snake. Oh mon Dieu. Quel Snake? Alléluia. Mais vous êtes bête. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia. Snake. Alléluia. Arrête de me tuer. Elle a des problèmes. Il y a une sœur là qui a des problèmes. Elle est là, Snake. Viens, je vais te voir. Il y a une sœur qui a des problèmes. Tu la connais? Viens. C'est une nouvelle à l'église. C'est pas une sœur. Oh, c'est pas moi. Comme ça, des sœurs. Elle est quoi, c'est ta mère? Je me montre, chérie. C'est ta mère. Je me montre. Snake, Snake. Je me montre. Je te prends là. C'est ta mère? Non, les cheveux là. Les cheveux là. Tes cheveux. Ça me pointe. Rentre, ta mère. Viens. Mais ta mère, elle est chelou, mon Dieu. Viens, Snake. C'est ta mère? Calme-toi. Oh, tu fais quoi, toi, ici? Ah, mais toi, commence pas, hein. T'es fou toi, on se connaît. Ah, ne touche pas. Y'a quoi? Oh, qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas, ne touche pas. Ta mère, là, elle entend de crier comme ça là. C'est ma femme. Quelle femme? Toi, t'as une femme, toi. Ah, mais Snake, arrête. Oh, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. T'as prié? On va prier. Je vais gérer ça moi-même. Ne t'inquiète pas, je vais prier. Ses cheveux. Oui. Les cheveux là, j'aime pas. Les cheveux. Je vais prier pour elle. Oh mon Dieu, c'est quoi ce c'est ta mère, elle a des problèmes. C'est ma femme, toi. Mais c'est une femme avec des problèmes comme ça, toi t'es fou toi. Quand comment tu bombes là-bas, tu viens ici, tu bombes et tout. Et c'est une femme comme ça, elle est folle, elle a des problèmes dans la tête ou quoi? Revenons un peu. Mais c'est quoi des blagues avec moi? Quelle femme? Toi t'as une femme, toi? Toi t'as une femme? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Écoute-moi, je vais pas aller trop loin avec toi parce que déjà tu es mon monsieur. Regarde, je suis venu pour voir Fanny. Pourquoi? Attends, tu veux venir chercher Fanny? C'est moi. C'est ta copine, non? C'est ta copine, après tout, tu payais pas, hein? Si tu parles encore, moi je crie là-bas là. Moi je vais crier, hein. Je vais crier. Comme ça, on va voir si elle l'a. Attends. Fanny, elle est ici. Elle n'est pas ici. Elle est ici. Ça fait 3 semaines que je la vois pas. Oh, calme-toi. Arrête de me dire calme-toi. Tu sais combien de temps moi j'ai pas vu Fanny? Arrête. Fanny ne me donne pas l'argent. Elle dort avec toi. Et hey, vous êtes tout ensemble, mais tu ne donnes plus rien du tout. Pas ici. Fanny. Toi, tu tues mon truc, hein. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas vu Fanny. Arrête, toi, tu crois que je. Moi et Fanny, ça fait longtemps. C'était pareil, hein. C'était pareil. Non, je vois plus Fanny. Fanny, je ne la vois plus. Tu comprends? Fanny n'est pas ici. Essaye de la chercher ailleurs. Mais pourquoi moi, Non, on n'est plus. Si elle est partie, toi, tu dois me payer son argent. Malade, toi. Quel argent, moi, je te paye? Parce que moi, je parle comme ça, moi, je vais voir ta femme. Doucement. Tu me payes l'argent ou pas? On va s'arranger, t'inquiète pas. Donne d'abord l'argent. Oh, calme. Avant que je parte d'ici, il faut que tu me donnes l'argent. Avant que j'écris la balle. On va gérer ça. La foi, elle va sortir ici. C'est pas un problème. Elle te doit combien? Bon, c'est même pas un problème. C'est pas un problème, t'inquiète pas. Je vais te faire un chèque et je vais régler ça. Je t'attends, va faire des chèques. D'accord, t'inquiète pas. Bon, regarde. On se donne rendez-vous. Pas question de rendez-vous, ce n'est pas que je te connais. Dans mon numéro, tu m'appelles. Et comme ça, je te règle ça. Là, tu fais quoi? Tu as peur de ta madame, là, ta mère? Vanessa, je t'appelle. D'accord? Je t'appelle. Je sais pas à quoi tu joues, mais moi, je vois. Donne-moi même quelque chose, là. Donne quelque chose, parce que moi, je veux pas. J'ai vraiment besoin d'argent. L'argent, là, des familles, là, c'est toi qui dois tout payer, là. Tu sais? Tout l'argent que Fanny elle a volé là, il faut que tu le payes. Là c'est pas normal, hein.